Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau jeudi, jour de Jupiter, jour de l'expansion et jour de Fortuna. C'est pour ça que j'ai préparé ma petite bougie. Je vais mettre des gouttes de sortilège de Fortuna de chez Ciel et Terre, notre cher Marc Neud. Donc vous aurez dans la barre de description son site, d'accord, ainsi que celui de Des Studio Shop, on en parlera après, et dans la communauté, mais aussi dans la barre de description, ces deux sites de toute façon que je mets toujours, comme ça vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si vous le désirez, d'accord. Nous allons faire une vidéo concernant, décembre 2022, il y a beaucoup de révélations les unes derrière les autres, hein. Donc vous avez vu, j'ai eu raison concernant vous savez, les poum-poum en Pologne, dont ce que je vous avais annoncé est authentique, d'accord. En plus, je tiens à vous dire, les amis, parce que vous ne le savez pas, je prépare toutes mes vidéos la veille au soir, tout simplement, comme ça vous avez votre vidéo qui tombe à 9h pile, d'accord. Donc, je le savais déjà depuis avant-hier soir que c'était du pipeau, voilà. Donc, j'aurai des choses à vous dire après, mais on va commencer par la méditation. Alors, on va penser à l'abondance, on va penser à des choses positives, voyez-vous, que vous ne manquez de rien. Attendez, parce qu'aujourd'hui, j'ai un petit problème de caméra, voilà. Donc, que vous ne manquez de rien, c'est le but principal de tout ceci. Donc, je vais mettre, allons-y gaiement, je vais mettre, alors c'est des petites gouttes de sortilège. Il y en a toutes sortes, hein, vous en verrez sur son site à Marc, hein, Ciel et Terre. Voilà, alors je vais mettre 7 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors, 7 gouttes tout simplement parce que le 7 le rend parfait, le 3 gouverne, le 5 la compose, le 7 le rend parfait, d'accord. Donc, je mets en route ma petite bougie, voilà, tout simplement, toujours allumer sa bougie avec des allumettes, hein, les amis, d'accord. Et on y va, voilà, pour 21 secondes, on y va les amis, allons-y. Et vous pensez à l'abondance, à des bonnes choses qui peuvent vous arriver pour vous. Si vous pouvez vous tourner du côté est, d'accord, c'est là où le soleil se lève, ça serait formidable, d'accord. Et vous pensez à vous et à tout ça. Allons-y gaiement. Voilà, je vais la mettre sur le côté. Et vous pouvez méditer en même temps, hein. De toute façon, vous savez qu'on n'éteint jamais une bougie quand elle est allumée, d'accord. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire deux, trois petites choses. Merci déjà d'être là, merci pour le soutien à la chaîne, merci pour tout ce que vous êtes, vos gentillesses, merci pour les pouces bleus, les likes, les partages, mais aussi les abonnements, hein, qui sont de rigueur. Voilà, donc on commence bien, donc pour le mois de décembre 2022, d'accord. Comment vous dirais-je les choses pour être le plus simple? Bon, on va commencer par quelque chose. Je défends une chaîne du plus profond de mon cœur qui s'appelle Des Studios Sky News, ou alors Des Studios Tout Simple, c'est deux chaînes en fait, de Didier Santiago. Pourquoi? Si vous allez voir ces chaînes, vous verrez qu'ils donnent la parole à plein de gens extraordinaires dans le domaine littéraire, mais aussi dans le domaine ésotérique. Voyez-vous, ils apportent, ils font parler les gens, enfin, si vous voulez, tous des gens très très compétents et très corrompus. Enfin, très connue, comme Geneviève Delpech, hein, qui est feu Madame Delpech, Michel Delpech, que vous connaissez tous. Donc, c'est quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Bon, j'ai la chance et l'honneur et l'avantage de faire partie de son émission le 9 décembre à 20h, mais, pardon, mais je peux vous dire, que ce soit son épouse, sa fille Christelle, je vais vous dire, ce sont des gens tout à fait extraordinaires et tellement honnêtes. Vous savez, dans ce milieu-là, ou dans
Il y a beaucoup de jalousie, ça c'est vrai, on le voit, on le sent, on le pressent, c'est pour ça que personnellement j'ai pris du recul beaucoup. Mais je vais vous dire, ces gens-là, on a dit tellement des choses mauvaises alors que c'est faux et archi faux, parce que tout simplement la jalousie est là et qu'il y a des gens qui rêvent simplement, enfin, vous savez, la bassesse, la médiocrité, on sait ce que c'est, il y a des gens qui défendent la croix. La croix de Jésus et compagnie qui par derrière font des tas de crasse. Voilà. Donc je tiens à leur rendre hommage parce que je les connais. Je peux vous dire que c'est des gens très très bien. D'accord? Donc allez vous abonner à leur chaîne. Ils ont parallèlement une boutique qui s'appelle Dead Studio Shop. Donc vous pouvez aussi jeter un coup d'œil pour les fêtes de fin d'année. Donc pour moi, j'ai Ciel et Terre que je défends avec Marc Neu qui est incontournable. Mais si vous ne trouvez pas les livres de Marc Neu, vous les trouverez sur des studios shop. D'ailleurs, je rappelle que Marc Neu refait une émission, mais là sur la chaîne des studios. Vous voyez, il y a des studios Sky News et des studios. Et sur la numérologie, puisqu'il avait fait le fameux livre sur la numérologie que je vous ai présenté moult fois. Christelle est enfin, j'adore cette fille. Franchement, elle a un charisme, elle a une façon de faire les choses. Vous savez, on sent qu'on est dans l'élégance et c'est tout ce qui nous correspond, mes amis. Donc, des studios news, des studios Sky News ou des studios. Alors, moi, je serai sur des studios Sky News. Donc, il fait intervenir des gens pour vous expliquer leur parcours et comment ils travaillent et compagnie. Ça, c'est très, très intéressant. Plutôt que des carabistouilles à droite à gauche. Deuxièmement, donc les deux boutiques, vous les trouverez donc sur la barre de description et dans la communauté. D'autre part, je tiens aussi à rendre hommage à une grande dame que j'ai vue sur YouTube, hein, tout simplement, sur la chaîne Jordan de Luxe. C'est Madame Annie Dupéret. Je ne sais pas si vous entendrez cette vidéo, Madame, mais dites-vous bien que j'ai énormément aimé votre façon de vous révolter et de défendre les soignants, mais aussi les gendarmes, mais aussi les pompiers, de défendre tous ces gens qui ont été mis sur le côté comme des rebuts. Il n'y a pas que, il y a des tas de gens qui étaient dans le domaine, peut-être des femmes de ménage, vous voyez tout ce monde-là, parce que c'est un environnement complet et qui a vraiment eu un coup de gueule que je vous invite à aller voir. Voilà, sur Jordan de Luxe, là, parce que franchement, madame, vous êtes une grande dame. D'autre part, Daniel Guichard aussi, le chanteur, hein, a tout simplement donné plusieurs interviews sur le sujet où il a témoigné comment dirais-je, des problèmes, des suites de cette potion. D'accord? Voilà, donc ça, c'était important à vous dire. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire, je réfléchis. Donc vraiment, mes amis, il faut défendre tout ce monde-là, c'est très très important, comme vous le pouvez, voilà, et puis de les soutenir plein pot. D'autre part, j'entends dire beaucoup de choses par rapport au comportement des gens, par rapport aux élus. J'aimerais vous dire à ces élistes, entre guillemets, comportez-vous dignement vis-à-vis de la populace et peut-être que la populace vous respectera en retour. Parce que c'est toujours dans un sens que ça se produit, d'accord? Et quelqu'un m'a fait la remarque, oui, vous soutenez le fameux Cyril, je ne soutiens personne, je dis simplement que si quelqu'un vient chez moi, sur ma chaîne ou autre chose pour mettre le chambardement, il va être vite reçu et manu militari, et peut-être que moi, ce sera pas des paroles en l'air, j'agirai sérieusement, d'accord? Parce que si on n'est pas capable de se comporter dignement, comment voulez-vous d'être respecté en retour? Mais enfin, je vous rappelle que les gens de ce fameux Louis, hein, les gens qui tournent autour, concernant une loi, vous savez, pour diminuer la TVA sur les énergies, de passer de 20 à 5, 5,5, je crois, quelque chose comme ça, eh ben, ils ont voté contre, les copains de ce fameux Louis. Vous commencez à comprendre? Ce ne sont pas des racailles pour vous? Voilà. Donc, ils auraient les moyens les moyens d'aider les petits. Ben non. Allons-y gaiement. Donc, ils ont voté avec Bricaton. Je vous rappelle que c'est les mêmes qui ont fait voter pour Bricaton. On l'avait pas oublié. Donc, nous allons voir ça ensemble. Alors, je baisse un tout petit peu la caméra, mais vraiment légèrement. Voilà. Nous allons
Voilà, donc nous allons voir concernant décembre 2022, vous avez vu que ça commence à péter, mais j'ai eu raison hein, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, donc je suis assez fière de moi, d'accord. Et en ce qui me concerne, je ne fais partie d'aucune secte. Voilà, je tiens à le dire parce que, voilà, actuellement, il y a des choses qui se passent, mais en ce qui me concerne, je n'appartiens à personne à part à moi-même. J'ai un groupe de gens très très bien, comme vous le savez hein, maintenant. Voilà, des gens formidables autour de moi, en qui j'ai une totale confiance, mais ce sont des gens authentiques. Je pense à Marc Queneux, bon, Didier Santiago, que vous connaissez, Valérie, dont je vous ai tant parlé, mon amie qui est avocate. Enfin, c'est pas forcément dans le monde de la médiumnité, mais tout azimut. Sitôt que je vois de toute façon quelqu'un qui me trahit, c'est terminé à vie, hein, de mon côté. Et vous savez, les amis, si là je parle pour une personne qui est en train de m'écouter, c'est une dame. Donc, madame, je sais, excusez-moi, mais j'ai un flash là soudain qui arrive. Madame, je viens de voir que un monsieur qui vous a trahi veut revenir vers vous. Dites-vous bien, si vous a trahi, il vous retrahira encore et ça ne sera que remettre le couvert. Ce genre d'individu va se plaindre à droite, à gauche, d'accord, pour trahir les uns derrière les autres, mais au bout du compte, ils n'ont jamais rien, ils s'écroulent, voilà. Ce personnage, c'est toujours plus, 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 et quand il a plus, voilà, il faut savoir couper les ponts, vraiment de couper les ponts quand quelqu'un vous trahit. C'est un message, hein, voilà. Alors, dites-moi ce qui va se passer en décembre 2022. J'ai vu, et là, je vous avais annoncé par rapport au trafic pour la fin d'année, je vous avais dit qu'il y aurait des problèmes. Apparemment, au niveau des avions, il y a déjà un préavis. D'accord ? Donc, vous voyez, on commence. De toute façon, cette année 2023, elle va être quand même assez, comment dirais-je ? Elle va se courir, hein, de toute façon. Voilà, je dis comme ça. D'autre part aussi, je tiens à vous dire, j'ai eu un flash dans ma voiture tout à l'heure. Le monde du Brésil, le pays de Lula, ça va péter. D'accord, vous avez bien entendu, ça va péter. Voilà. Alors, dites-moi ce qui va se passer en décembre 2022. Voilà. Et là, franchement, je le fais sereinement, mais parce que j'ai pris de la hauteur par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être, c'est pas une bonne période, si vous voulez, comme on aimerait qu'elle soit. C'est pour ça que je vous ai dit moult fois, retrouvez-vous dans vos familles respectives, amis, ou vous voyez, ça peut être un voisin ou autre chose. Ce n'est pas important. Alors. Allez-y. Voilà. Alors, pour aller plus en détail, si vous me permettez, je vais prendre le jeu de Béline, hein, d'accord, pour apporter plus d'informations. De toute façon, vous avez bien vu les ailes qui ont du ski, c'est terminé, hein, je veux dire, on n'en parle plus, hein. Vous allez voir, ça va s'estomper tout ça. Les choses reviendront, d'ailleurs, j'ai vu aussi pour une très très bonne nouvelle, ils envisagent plus, enfin, même s'ils annoncent des sanctions concernant le monde de Poupou, ils pensent, oui, mais il y aura éventuellement, ça sera pas une obligation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allons-y gaiement. Voilà. Donc, allons-y concernant décembre 2022. Alors, paf, c'est pour ça que je dis arrêtez d'écouter les chaînes, parce que même, vous savez, sur Cénoneux, j'ai remarqué que Pascal Popo commençait à inventer des choses qui sont fausses, d'accord, concernant au monde du bidon. Alors, en zonziguément. Donc, c'est une période sacrée pour la populace, on va le dire comme ça, hein, si vous voulez, où il y aura des projets de retrouver en famille, ça c'est annoncé, d'accord. Il y aura, pourquoi ça me parle du domaine professionnel? Bon, ça nous parle du domaine professionnel, nouvelle, commerce. Alors, je Béline, je fais jamais à l'envers, hein, je vous le dis à titre personnel.
Nouvelle commère sagesse. Donc pour moi, dans un premier temps, ça va bien s'écouler au mois de décembre. D'accord? Je vois des écoulements dans un premier temps. Hein. On va aller progressivement, de chez progressivement. Il y a des belles choses qui se préparent. D'accord? Dans un deuxième temps. Alors, dans un deuxième temps, financièrement. Donc, apparemment, c'est la banque dite centrale. Qu'est-ce qu'ils veulent faire par rapport aux familles? Ah oui, soudainement, ils vont dire qui? Ah, d'accord. Bon. Alors, là, c'est clair parce que cette carte qu'elle a découverte, c'est aussi la carte de l'espionnage. Voyez-vous, les amis? D'accord? Attendez, je vais remonter parce que sinon, vous ne verrez pas les cartes. Hop. Voilà. Donc. Si vous voulez, donc il y a bien ce retard, une tentative d'aller inspecter chez les gens ce qu'il se passe de par la peste aux étoiles et la banque dite centrale. D'accord, ça je vous le dis. Attendez, prise de décision concernant les couples et concernant les familles. Donc là, si vous voulez, il y a une tentative, ouais, d'espionnage chez les gens. Alors, je vous dirai, les amis, il y a une chose que j'ai découverte. Alors, comme vous savez, bon, on est comme tout le monde, hein, on a une petite sono, voilà. Et je me suis rendu compte dernièrement que, vous savez, c'est une barre de son, ce qu'on appelle, avec une certaine Alexia, d'accord? Et là, qui commence à prendre le dessus et de répondre aux choses sans qu'on lui demande. Voilà. Donc, on a pris la décision dès qu'on, enfin, on espère déménager. Dès qu'on aura déménagé, bon, moi, j'aurais besoin de tout faire mon travail dans mon occultum, mais ça, je vous en ai assez parlé. Occultum veut dire occulte, veut dire au secret, une pièce qui sera au secret et qui sera interdite à tout le monde, sauf à moi, bien évidemment. Donc là, je vous dirai, d'ailleurs, vous serez les seuls invités, puisque, voilà, je ferai mes vidéos dedans. Donc après, il n'y aura plus de barre de son de ce que je dis ou de ce que je dis pas. Donc soyez prudents avec, si vous avez une barre de son, ces enceintes connectées et compagnie, je dirais soyez prudents. D'accord? Alors, là, ça nous parle de finances. D'accord? D'accord, ils vont avoir des problèmes. Au niveau de la banque décentrale, il va y avoir un sérieux problème là. Il y a un sérieux problème qui arrive. Bon, ils ont fait la planche à billets, hein, mais ça vous connaissez, hein, de toute façon. Là, ça me parle. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est caché, qu'ils veulent mettre en place par rapport aux finances. On a, ah oui, d'accord, ils veulent nous cloisonner, mais on en a déjà parlé, ils n'y arriveront pas. C'est ce que je vous avais dit. Ah oui, leur truc numérique aussi, vous savez, concernant le côté numérique, j'ai su par un de nos amis, je sais plus où, à travers le monde, ils ont tenté de le faire et ça a été balayé. Là, ils tentent, alors je sais plus, dans une région, mais c'est en Outre-mer, je crois, d'un de nos autres amis qui disaient qu'ils essayaient de mettre ensemble les parents d'élèves, les professeurs et les mères, pour faire l'école à la maison. Je vous ai dit que c'est ça, par contre, ça, j'y crois fort. Et même pour la sécurité des enfants, parce que quand même, on voit des tas de choses qui se passent dans les écoles. Il n'y a plus du tout de morale. Enfin, on arrive à des trucs de malade. Donc là, clairement, attendez, ils n'y arriveront pas. Il y aura. Non, en fait, si vous voulez, pour moi, là, cette fois, même. De toute façon, il ne faut pas écouter les journaleux parce que là, on est en train de vous inventer des histoires qui n'existent pas. Et là, je vous le dis clairement, beaucoup de discussions au sein de la populace par rapport à notre style français. Vous avez pu remarquer, notamment, beaucoup de maires, dont Lutèce, donnent de l'argent à des bateaux alors qu'ils sont déjà payés par le sort qui n'a plus d'os. Ils sont pour faire la navette entre le bas et le haut, entre les côtes, voyez-vous. Et on a vu que Lutèce, notamment, donnait 100 000 euros, enfin, la fameuse âne, vous savez, qui n'a plus de, qui a île, mais qui n'a plus de go, et ben elle donne 100 000 balles quand même, et il faut savoir que diverses municipalités le font déjà. D'accord? Voilà. Donc, ben écoutez, on se tire une balle dans le pied, hein, ça continue, quoi. Ça veut dire que vous avez droit à rien, mais qu'ils ont droit à tout. Voilà, c'est pas compliqué. Et je suis pas du tout dans. J'ai dit, il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête parce que
Là, ils cherchent la guerre dite, la guéguerre, pardon, dite civile. Voilà. De toute façon, c'est leur objectif, hein. De toute façon, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils. Pour moi, si vous voulez, je vous ai parlé de 4 ans, hein, bah écoutez, de toute façon, puis il y en a vraiment des cynistes qui feraient mieux de se taire, vraiment, parce qu'à force de dire qu'ils ont droit à tout et que nous, on est la populace et qu'on n'a qu'une seule chose, c'est droit de se la fermer, ça commence à faire. Voilà, que nous, on n'a rien de droit de dire et se la fermer. Ouais, bon, chacun son truc. Donc là, au mois de décembre, hein, donc c'est bien, ils veulent mettre des choses en pratique à partir du mois de janvier-février, mais ça aura du mal à arriver de toute façon, mais ça je vous l'avais dit. Donc ça c'est pour très mauvaise communication, très mauvaise communication de part de. Alors c'est le narmaluche, d'accord? Là on me parle du narmaluche, il va y avoir un problème dans la communication importante, il y a quelque chose de sous-jacent qui va se mettre en place. Ils vont tenter, alors je vais vous dire, ils vont être, surtout le Darmaluche, il va être un peu comme un bing-bong, 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 voyez-vous, il va être entre le marteau et l'enclume, entre la borgnette et le briqueton. Je peux vous annoncer, parce que je vois là, qu'entre le briqueton et la borgnette, plus rien ne va. D'accord? Plus rien ne va. Elle fait ce qu'on lui demande de faire par les lobes.bi. D'accord? Mais en aucun cas, elle ne veut participer à ce carnage. Voilà, il rêve bien sûr de nous cloisonner, hein, ben il est là, on est bien là, hein, dans la destinée, mais je vous dis, il y aura de l'inconstance pour mettre les choses en place, parce qu'ils ont trop peur que ça se réveille lourdement. Parce que là, ce ne sera pas un truc qui sera exposé, ce sera quelque chose qui sera préparé et qui risque d'exploser d'une autre façon. Ça ne sera pas de la façon des gilets qui avaient la jaunisse, d'accord? Parce qu'ils s'attendent à ça. Mais ce n'est pas ça du tout. D'accord? Ce sera peut-être plus réfléchi. Et je rappelle que Bricaton est détesté du monde entier. D'accord? Il est détesté. Mais chez nous aussi. D'accord? Bon, si vous avez cru que. Alors, quand j'ai poussé les gens, alors je me répète, et ce n'est pas que je m'explique, mais. Quand j'ai dit moi je vais voter et compagnie, c'est parce que je passe une bonne journée en général, petit resto, petit apéro, on papote avec les gens, c'est toujours un moment convivial, c'est dans ce but-là. Pour le restant, c'est que c'était truqué et ça continue, hein, de toute façon, c'est la chasse aux sorcières. Voilà. Donc, changement radical, attendez, je rejoins une carte là. Dans la communication, ils vont se mettre. Là, c'est bien. Vous savez que je vous avais dit qu'ils avaient fait des qu'on appelle ça, des rituels sataniques. Vous savez que Satan, c'est pas mon pote. Ils ont fait des rituels sataniques, mais il y aura un changement radical dans la communication. Ce qui me dit clairement, il va se produire un événement clé qui vont se prendre les pieds dans le tapis. Ah ben écoutez, ça se précise. D'un côté, j'ai Darmaluche. Et de l'autre, j'ai Éric le boulet pathétique. D'accord? Puisqu'il me sort là. Alors là, rien n'ira du côté de Darmaluche au mois de décembre. Et là, vous aurez Bricaton qui prendra pas la parole. Hein? D'accord? Qui prendra pas la parole. Et je peux vous dire clairement qu'il va y avoir des contestations importantes. Surtout, écoutez-moi bien, sur les marchés dits de Noël. On est clair? Voilà, il y aura des moments de bonheur et puis il se passera un événement important. D'accord? Voilà, il se passera un événement important que je ne peux pas vous relater là. Donc, si vous voulez, je pense que les deux, là, surtout le Darmaluche va être sur la brèche, ça c'est indiscutable, mais il est prêt aussi entre le marteau et l'enclume. Je vous rappelle celui qui souffle le vent. Je l'ai ici, le vent. Non, il est là. Voilà, celui qui souffle, c'est Nicolas le Nain. D'accord? Qui est proche de certains mouvements qui se trouvent au cas qui n'a plus de tare. D'accord? Voilà, il y a une démagouille et il se trouve que c'est le poulain de Nicolas le Nain, tout simplement parce que l'autre, il peut en faire ce qu'il en veut et par ce biais-là aussi manipuler le briqueton. Qui est un, voilà, enfin, sans intérêt. La seule chose, si vous voulez, il se fait du pognon pendant ce temps, l'autre,
D'accord, je ne sais plus s'il a un bracelet ou pas. Vous savez, un joli bracelet, c'est très tendance chez nos sinistres locaux, voyez-vous. Ils ont tous un beau bracelet, voilà, quelque chose qui leur pend au nez, voyez-vous. Ah, je vous l'avais dit, hein, l'autre, la paire, voilà, la panier qui n'est plus, qui a les runas. Chier! Oui, non, je l'ai pas dit. Donc, elle, alors, vous n'entendez plus parler. Voilà, elle reste. C'est fou, hein, franchement. Vous avez même un député qui a osé prendre son casque et fracasser la tête de quelqu'un d'autre, d'accord? Et qui est toujours! Voilà, formidable. On a le droit, franchement, à des trucs de malade. Alors, donc, projet, trahison, d'accord? Il y a bien une trahison en cours. Trahison par rapport à des projets, ben ça on le sait. Projet, il y a une action dans les projets. Non, ce ne sera pas un changement radical, là. Bon. Par rapport aux familles, ben ça on en a déjà parlé. Ben c'est l'ennemi, hein, de toute façon. En fait, si vous voulez, j'ai plutôt l'impression. Par contre, je vous dis, il va y avoir quelque chose au niveau des marchés, un dit de Noël. Ben, ça, c'est clair. Mais je ne veux pas aller plus loin. Parce qu'après, je vois des choses et je me mets en porte-à-faux. Voilà. Donc, là, je vais pouvoir vous dire que ils veulent mettre quelque chose en place. Ils sont en train de le peaufiner. Il y a des coups de téléphone qui se passent. Alors, ils ont tous les droits. Hein, ils s'en foutent éperdument de vous. Ben, elle ressort là la pépette. Hein, d'accord? Voilà. C'est le bonheur pour la pépette encore. Hein, l'Ursulette. D'accord? Qui est notre propre ennemi, qui est déclaré, etc. Donc, je dirais qu'au mois de décembre, d'entrée de jeu, ça va se passer tout bonnement, etc. On ira voir pour les grèves ou pas, hein, concernant le train. Voilà. La seule chose que je peux vous annoncer ici, il y a quelque chose, je vous dis, ça va être la fête à Darmanush et à Éric le boulet pathétique, parce qu'il y aura une action et où ils seront en porte-à-faux dans leur communication et on ne les croira plus. D'accord? On ne les croira plus. Enfin, qui peut les croire encore? Oula, 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 oula. Donc, là, il y a bien quelque chose qui va se passer. Alors là, ça me parle de la deuxième quinzaine. Donc, c'est au moment des fêtes. Il y a bien un événement qui va se passer concernant les familles et des enfants. Je vois des amis et des enfants. Il y a une prise de décision de qui? Ouais. Donc, alors. Déjà, je vais vous annoncer quelque chose. Là, c'est sûr. Au niveau de la mala, comment, le coco, on va dire comme ça, au niveau de la potion, etc., il n'y a plus rien. Je vous rappelle que ça fait plus d'un an que je vous dis qu'il n'y a plus rien. Au niveau du don, qu'il n'est plus de jet. D'accord? À ce niveau-là, pour moi, il n'y a absolument plus rien. Et c'est complètement ridicule ce qu'ils sont en train de mettre en place, à part leur système du cucu la praline Schwab. C'est lui qui est encore derrière, si vous voulez, d'accord, pour essayer de mettre son projet de folie à exécution. Je vous rappelle qu'ils ont biberonné par la zigounette du Schwab, que ce soit Bricaton, les Young Leaders et tout ça. Excusez-moi, c'est un peu commun, mais des fois, il faut savoir un peu voir les choses avec légèreté. Donc là, par contre, c'est autre chose qui n'a rien à voir, et je dirais, mes amis, je vais vous donner un conseil vraiment du fond de mon cœur. Si j'étais à votre place, je restais tranquille ces fêtes-là, d'accord? Je resterai à la maison, je ferai des choses et compagnie, je ferai plein de trucs, d'accord? Mais je ferai attention. Je ferai attention parce que là, j'ai la notion des gamins qui sort. D'accord, il y a quelque chose d'inattendu, il y a quand même quelque chose qui arrive de surprenant, de choquant, de. J'essaie de vous trouver les mots pour pas vous embêter, mais à la fois, je suis obligée d'être claire avec vous. Il y a quelque chose de choquant qui doit arriver à ce moment-là, et je vous dis à nouveau, soyez prudents au marché dit de Noël. Voilà. Je peux pas être plus claire, hein, les enfants. Franchement, je peux pas être plus claire. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Bricaton, il va sortir du pognon. Vous savez qu'ils ont fait relever l'essence, d'accord? Donc ils vont trouver encore un autre truc, faire marcher la planche à billets, bien qu'on n'a jamais eu. Alors moi qui paye mes taxes, vous savez, bon, je suis à mon compte,
comme d'autres, hein, je ne suis pas la seule, mais quand on voit les enfants, tout ce qu'on doit payer, c'est une véritable catastrophe. Franchement, ça a dégoûté les gens de ce côté-là. D'ailleurs, je demanderai à notre amie Valérie, si vous voulez, quand elle reviendra, parce qu'elle elle doit s'absenter, mais qu'on fasse une vidéo qu'elle nous explique comment se mettre à son compte, l'auto-entreprise et tout ça, et donner des conseils. D'accord? Si ça vous va, moi je trouve que ça serait bien qu'on fasse une émission de conseils de ce côté-là. Donc, communication par rapport au pognon, pognon, famille, oui, il va arriver en disant, comme d'habitude, je donne aux plus pauvres et compagnie, soi-disant, et puis en fait, ils donneront pas grand-chose, la naissance. Oui, écoutez, pour moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous restez tranquille à la maison et compagnie, et compagnie, et compagnie, vous voyez ce que je veux dire, en famille, il y a des choses qui peuvent bien se passer. D'accord? Voilà. Je le dis bien en famille. Maintenant, si vous pensez bouger ou quoi que ce soit, on va voir. Est-ce qu'il y aura des grèves au moment de Noël et jour de l'an, hein, bien sûr, d'accord? Au moment des fêtes de fin d'année, y aura-t-il des grèves, les enfants? Alors. Alors, dites-moi. Il y a des choses qui sont en suspens actuellement, des colères qui montent pour des raisons de pognon, mais ça on le sait. D'accord? Est-ce qu'il y aura des grèves? Écoutez, on me dit que oui. D'accord? Sous retard, avec retard, invitation, on me dit que oui. Mais, comment vous dirais-je? Ce sera plus des événements soudains et des. Je dirais pas les syndics qui n'ont plus de caca, d'accord, classique. Il y a un qui doit s'appeler Sud, voyez-vous, voilà, c'est ça que j'ai. Est-ce que, on va parler du train, d'accord? Est-ce que les trains seront en grève au moment des fêtes de fin d'année? Est-ce que les trains seront en grève? Oui, il y aura des grèves au moment des fêtes de fin d'année. Alors, ne me demandez pas à quelle heure, quelle minute, si t'as le train prend un part ou part pas, hein. Prenez vos précautions. Est-ce que les avions seront en grève au moment des fêtes de fin d'année? Peut pas être plus clair, les enfants, hein. Est-ce que les avions seront en grève au moment des fêtes de fin d'année. Eh bien, apparemment, non. D'accord? Voilà. Apparemment, il y aura un deal de passé avec eux pour les fêtes, les invitations et compagnie. D'accord. Ben, écoutez, soyez prudents, surtout. Ah, si, peut-être les bus. Est-ce que les bus, parce que vous savez, il y a beaucoup de bus maintenant qui circulent. Est-ce que les bus. Est-ce que les bus seront en grève pour les fêtes de fin d'année? Alors, est-ce que les bus, confirmation, alors il y en aura pas tous, mais il y en aura, donc à prendre vos précautions parce qu'il y en a qui seront en grève. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, au bout, là-bas, c'est le livre de la magie de Fortuna, chez Ciel et Terre. Hein. C'est un très, très bon bouquin qui va vous expliquer qui est Fortuna. Hein. C'était une déesse de la Rome antique, hein. D'accord? Faite pour l'abondance, mais pas que. D'accord? Donc, Marc Queneu, c'est les éditions Ciel et Terre. Marc Queneu nous explique exactement comment faire avec Fortuna. Pour moi, Fortuna est très, très important dans mon existence. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire concernant ce décembre 2022, d'accord? Je vous fais de gros gros bisous tendres et on se retrouve très très vite, ben, demain pour d'autres aventures. Bye bye!